Темами Лионского фестиваля света в этом году стали защита окружающей среды, искусственный интеллект и отношения между людьми. На фасадах известных зданий, площадях и в городских парках жители и гости города могут посмотреть на художественные инсталляции местных и зарубежных художников по свету. C'est une bonne idée d'utiliser l'IA et d'en faire quelque chose de beau et de montrer que c'est cool ce qu'il peut y avoir et la musique est super parce que c'est Rhône en plus. L'année dernière, ils avaient déjà utilisé l'IA pour faire parler, chanter pardon les tableaux du musée des Beaux-Arts qui est juste derrière. Et cette année, ils ont recommencé, mais là, avec l'héritage des Frères Lumière, et ça, c'est très bien. В прохладную декабрьскую погоду посетителям Лионского фестиваля света помогают согреваться горячее вино и жареные каштаны, которые во время праздника продают сладков уличные торговцы. C'est toujours un moment hyper convivial, en famille, entre amis. C'est toujours des nouveautés et super chouette. C'est la première fois que je viens pour assister donc à ce festival et ça nous a plu. C'est, artistiquement parlant, c'est très 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 joli. Et puis le message aussi, je crois, qui est intéressant. В этом году световые инсталляции Лионского фестиваля можно увидеть не только в центре города. Pour nous, c'est très important que des gens puissent venir en centre-ville pour voir la fête des Lumières, mais aussi d'aller vers les gens, vers les habitants. C'est un spectacle qu'on a fabriqué avec les habitants et les habitantes. C'est un spectacle qui est une grande histoire, en fait, c'est un voyage super optimiste, humain, à travers différents tableaux qu'on a réfléchi avec les habitants et les habitantes. Одну из работ нынешнего фестиваля создал известный французский актер и певец, который хочет приблизить людей к их внутреннему ребенку при помощи скульптурной группы из розовых человечков. Ce sont des êtres sculptés, hein, qui n'arrivent pas à communiquer. Et le fait qu'il y ait des gens qui les voient, c'est-à-dire qu'il y aura apparemment beaucoup de gens qui vont les observer, ces personnages. Ils jouent aussi avec la lumière, avec la musique. Et c'est l'idée qu'avec tous ces éléments, ils puissent enfin communiquer. This year's works included lights projected onto trees, an enchanted fountain, and 3,500 mirrors. Artists played with themes such as connection, nature, and dreams. And spectators in awe responded with applause. This is Lauren Chadwick reporting for Euronews.